Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers. Et j'en connais quelques-uns qui vont sauter de joie, moi y compris. Enfin, le retour d'une petite revue Transformers. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc d'un hommage à notre génération, un Beachcomber, un mini-bot. Voilà, cette fois-ci donc. D'en tirer de la gamme Legacy Evolutions. Voilà, que nouveau donc ce petit Beachcomber en clin d'œil donc au G1. Quels sont les avantages et les inconvénients, car il y en a quand même quelques-uns. Eh bien écoutez, nous allons savoir ça tout de suite. Alors, que dire à part? C'est parti, let's go! Shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et commençons dès à présent donc par la présentation de la boîte, fidèle et traditionnelle aux boîtes Transformers actuelles, donc ce qui veut dire sans bulle plastique. Nous y retrouvons donc un très très bel artwork de notre Beachcomber, voilà, en pleine action. Sur le dessus, donc, le QR code qui vous permettra d'en savoir plus sur les stats et sur les skills de notre Autobot. Sur la tranche latérale droite, toujours donc, voilà, cet artwork propre à la gamme Legacy Evolution. Et sur la tranche latérale gauche, donc, un gros plan sur le visage de notre Beachcomber et donc notre Autobot. En plein assaut, en pleine attaque, donc position dynamique. Et puis au dos de la boîte, nous retrouvons bien évidemment notre traditionnel produit commercial, donc à savoir notre petit Autobot dans son mode bot et dans son mode véhicule. On nous indique également donc que la transformation se fait en 11 étapes. Voilà pour la boîte. À l'intérieur, sans surprise, nous y retrouvons la petite notice. Et niveau accessoires, donc nous retrouvons, alors je vais vous faire un gros plan, une petite mise au point, voilà. Donc nous y retrouvons le gun de notre Beachcomber. Rien de ouf, mais bon voilà, ça fait quand même son taf. J'apprécie quand même l'effort pour la peinture, donc tout en noir brillant, en noir glossy, ça c'est plutôt pas mal. Autre chose qui fait plaisir, tout simplement, donc la compatibilité avec les effets de feu et de tir que nous avons donc pour certaines gammes Transformers. Et nous terminerons donc par un petit piou-piou, voilà, en hommage donc à un épisode qui mettait en avant notre Beachcomber, le Peace and Love, le pacifiste de la bande, voilà, celui qui est attaché à la planète Terre et donc à sa faune et à sa flore, voilà, un petit cuicui qui fait bien plaisir, hein, parce que là vraiment, donc pour ceux qui ont la référence, ben voilà, on aura de quoi exposer de façon plutôt sympathique donc notre petit Autobot avec le petit Ziozio. Et passons enfin donc à la présentation de notre Beachcomber dans son mode véhicule, donc inspiré d'une buggy des sables, des dunes. Voilà, plutôt très sympa, il y a de très bonnes choses et de choses moins bien, notamment, vous voyez, les phares à l'avant et les arceaux juste ici autour du cockpit qui sont en plastique teinté dans la masse. Alors, je rappelle hein, que le choix d'Hasbro pour cette gamme-là, en fait, est d'avoir donc un look fidèle au dessin animé et non au jouet. Donc voilà, c'est aussi pour ça que nous n'avons pas de chrome ou autre. Bon, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé avoir un arceau à la rigueur en noir. Ça aurait peut-être été plus sympa que, voilà, que ce plastique un petit peu palichon. Autre chose que je n'aime pas, ce sont les protubérances juste ici, vous voyez, devant le pare-brise. Voilà. Donc du coup, ça diminue la vue si jamais donc un humain vient s'installer aux commandes donc de notre Beachcomber. Et puis bah, je trouve que ça on les dit vachement. Alors pour rappel, si on reprend donc la boîte, regardez l'avant, nous n'avons pas ces protubérances, nous n'avons pas les pieds en fait de Beachcomber qui viennent gâcher. Et là, ça change tout. Vous voyez, là, on aurait eu quelque chose de vraiment super joli. Là. Voilà, là je trouve que c'est un petit peu, bon, un petit peu caca.
Après, donc, concernant les couleurs, bah voilà, c'est fidèle à Beachcomber, hein, rien à dire. Pas mal de petites moulures, sculptures très jolies. Nous avons donc le moteur détaillé, voilà, à l'arrière. Nous avons un petit peu de silver ici, du silver, du gunmetal, donc du métal un peu foncé pour les fauteuils passagers et conducteurs. Voilà, donc les petites moulures du moteur également. Là encore, j'aurais bien voulu avoir un moteur peint ou quelque chose comme ça. On est toujours dans ce plastique dans la masse. C'est un peu bon, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le mode véhicule, hein, n'est pour moi pas le plus réussi. On a quand même de bonnes petites idées, de bonnes petites intentions, hein, puisque regardez notamment donc au niveau des roues, nous avons donc des jantes, voilà, argentées. Nous avons un type de pignon, vous voyez, voilà, pour faire tenir les roues, qui est quand même plus joli que ces fameux clips à deux mâchoires vraiment dégueulasses. Là, on a un très joli rendu. Et aussi, ben, chose plutôt très, très agréable que j'ai remarqué, donc c'est que nous avons, voilà, des pneus gomme, comme au bon vieux temps. Donc voilà, ça c'est vraiment un point positif. Et du coup, hop là, du coup, eh bien écoutez, regardez-moi ça. La voiture roule parfaitement, sans faire de bruit, tout en discrétion. Voilà, ça c'est vraiment un point positif et ça fait plaisir. Concernant donc le stockage des accessoires, voilà, le pistolet vous donne deux possibilités. Soit vous venez, hop, le loquer ici, comme ceci, pour avoir donc un mode assaut. Voilà, là je trouve que c'est plutôt une bonne idée, notamment si vous voulez rajouter après, voilà, un effet de feu, de tir ou d'impact. Voilà, ça pour le coup, c'est plutôt classieux. Et vous pouvez également, donc, si vous le souhaitez, alors, on va décrocher ça. Hop là, vous pouvez donc également venir, grâce aux deux petits ergots mâles juste ici, venir fixer l'arme juste ici, à l'avant, de façon à créer donc un pare-chocs et une calandre. Et là, c'est pareil, esthétiquement, c'est quand même, voilà, le rendu est quand même plus joli. Hein, donc voilà pour notre Beachcomber dans son mode véhicule. Voilà. C'est cool. C'est fun. Mais bon, c'est pas le plus joli mode. Hein, je tique vraiment sur ces parties-là. À la rigueur, elles auraient dû être peintes, peut-être. Ça m'aurait moins choqué. Donc voilà pour le mode véhicule. Ah oui, et j'oubliais, vous avez également donc la possibilité de venir placer le cuicui sur l'un des ports 5 mm qui se trouve juste ici. Voilà, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà notre Beachcomber donc qui se promène avec son cuicui. Et puis si vous voulez, vous pouvez également voilà mettre votre petit oiseau juste ici. Voilà, tac, dans le sens inverse. Éventuellement donc voilà pour lâcher des chiures sur les Decepticons. Moi je dis ça, je dis rien. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre bon vieux Génération 1 qui pour le coup, regardez-moi ça, ne démérite pas. Je trouve, après toutes ces années, hein, donc une bonne quarantaine d'années, ben je trouve que le G1 s'en sort mieux que la version Legacy Evolutions en termes de véhicules. Voilà, tout est plus discret, tout est mieux pensé, je trouve, malgré la petite taille, hein, franchement, il a toujours autant de charme. Et pour finir, donc, petite photo de famille aux côtés de la version Titans Return, qui, je trouve, est également donc supérieure à la version Legacy. Hein, regardez-moi ça, elle est plus petite, mais pourtant, les finitions sont beaucoup plus soignées. Là, on a, vous voyez, on aperçoit les amortisseurs. On a également les parties arrière du moteur qui ont été chromées. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour la version Legacy. Je trouve qu'esthétiquement, voilà, c'est plus sympa. Vous voyez, là, le pare-brise est bien plus dégagé que là. Et puis, donc, petite chose aussi qui faisait plaisir avec le Titans Return, c'est, rappelez-vous, vous aviez la possibilité de pouvoir y placer, voilà, un petit pilote à l'intérieur. Tac. Et tac, voilà.
Et ça, c'était le petit clou du spectacle, la petite cerise sur le gâteau. Là, malheureusement, vous ne pourrez placer aucune figurine. Voilà. Comment? La conception ne vous permet pas ce petit plaisir. C'est pour ça que je trouve que le Titans Return, franchement, eh bien, il en a. Voilà, c'est pareil, hein, il n'a rien à envier à la version Legacy. Bien au contraire, je le trouve globalement un peu mieux fichu. Et surtout, vous verrez. Pour ceux qui ont le Titan's Return, c'est que la transformation en mode robot est sensiblement identique. Hasbro a dû reprendre pas mal de choses de la version Titan's Return, le tout à une échelle un petit peu plus grande. Voilà donc pour terminer cette photo de famille. Alors concernant la transformation, celle-ci se veut simple, fun et intuitive. Donc vous allez dans un premier temps retirer voilà, le blaster. Qui fait office donc de pare-choc avant comme ceci. Alors je vais réduire un petit peu l'image. Ensuite, pour ceux qui ont donc le Titan's Return, vous ne serez pas dépaysé comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, on retrouve une transformation plus ou moins similaire. Donc vous allez voilà dans un premier temps venir séparer l'arceau arrière de celui de l'avant. Idem ici et vous en profitez également pour séparer ces deux parties-là donc qui viendront former les jambes. Vous venez déloquer, vous voyez, vous avez un petit, voilà, un petit ergomal qui vient se clipser juste ici. Donc, vous déloquez les deux bras. Voilà. Ensuite, vous allez venir ouvrir les panneaux qui se situent juste en dessous de notre beachcomber. Et puis, bah, tout simplement, plus qu'à venir, hop, déployer le tout comme ceci, comme cela. Ensuite, vous venez refermer, voilà, les deux petits panneaux qui viennent également donc se loquer. Voilà, comme ça ne bouge plus. Ensuite, vous faites pivoter ces pièces-là comme ceci, comme ça. Voilà. Nous avons donc les jambes, les pieds et les talons de transformer. Dernière étape, ou avant-dernière, du moins, vous venez donc hop, abaisser la partie du torse vers le slibard, ce qui a pour effet donc de dégager le cucu, la tête. Et enfin, on termine en venant donc rabattre voilà, cette partie-là donc de l'arceau du pare-brise. Voilà. Comme ceci et comme cela, plus qu'à rajouter le petit pompon. Tac. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Beachcomber transformé. Yes! Et petit 360 à présent, donc de notre mini-bot. Donc sous sa forme bot, absolument superbe. Là, pour le coup, le mode robot est vraiment non seulement très très réussi, mais en plus, voilà, il est aussi fidèle donc au dessin animé, ça fait plaisir. Vous voyez, les proportions sont respectées, on n'a pas de backpack proéminent. La carrure est globalement elle aussi donc voilà respectueuse du personnage que ce soit le jouet ou le dessin animé avec plein de petites finitions, mais ça nous viendrons dessus après. Voilà donc le mode robot pour le coup est vraiment juste extra. Petit zoom sur le visage, là encore un sans faute, on retrouve bien donc le visage de notre Beachcomber, voilà, avec sa fameuse donc paire de lunettes intégrales en gris métallique argenté, du plus bel effet. Voilà, les sculptures, les moulures également du visage sont vraiment superbes. On retrouve un petit peu de chrome, vous voyez, sur ces pièces-là. Le symbole Autobots également, donc qui ressort en rouge métallique sur un fond argenté. Et puis voilà, une petite, voilà, une petite impression juste ici au niveau de la taille pour voilà, nous rappeler également donc, quelques points communs avec le Beachcomber que nous voyons dans notre enfance. Voilà, véritablement, le mode robot est très réussi. Comme vous pouvez le constater, pour le coup, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Nous avons bien des panneaux à l'arrière qui viennent masquer donc l'arrière des jambes. Voilà, on a quelque chose quand même de bien plus propre.
Pour les mains, c'est pareil, hein, on n'a pas 2 jours, évidemment les points sont déjà sortis, donc voilà. Mais voilà, je préfère avoir ça qu'avoir des jours ici où on rentre la main et après, bon, ça fait dégueulasse, hein, vous savez, je n'aime pas tellement les jours à ce niveau-là. Et là, pour le coup, voilà, les plastiques sont bien remplis. En termes de poids, bah, c'est pareil, hein, en termes de poids, le poids est conséquent, donc nous avons voilà, des plastiques vraiment de qualité. Voilà, un mini bot, donc vraiment extraordinaire dans son mode robot. Je l'adore. Alors, concernant les articulations, de luxe oblige, hein, nous avons donc tout un tas d'articulations. Nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite. Voilà, nous avons également la possibilité de faire pivoter la tête de droite à gauche. Par contre, vous ne pourrez pas faire de 360. Ces parties-là, juste ici, vont venir donc vous bloquer dans l'articulation, mais voilà, là encore, ça reste quand même suffisant. Nous avons une rotation à 360 du bras. La pub Dove, là encore, à cause de la roue, vous ne pourrez pas faire plus que ça. C'est correct, ça aurait pu être un petit peu mieux. Nous avons une rotation également, donc, voilà, de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés. Rien à dire, ça fait son taf. Le poing aussi, notons-le quand même, le poing, voilà, peut pivoter. Hein. Pour certains Transformers, on a l'habitude, lorsqu'on a cette architecture-là, souvent le poing est simplement moulé. Là, pour le coup, voilà, on a bien un bras, un poing indépendant, donc qui permet une rotation. Ça fait plaisir, hein, le genre de petits détails que j'aime bien. Alors, nous avons bien entendu, hein, une rotation du bassin. Maintenant, c'est devenu coutumier aux Transformers. Nous avons également, hop, pour la position JCVD, regardez-moi ça, ce grand écart JCVD, rien à dire, il assure la pose, y compris pour le grand écart latéral. Voilà, rien ne gêne le mouvement, ni n'obstrue, quoi que ce soit. C'est vraiment parfaitement fluide. Vous avez également donc une rotation à 360 de la jambe, une articulation du genou, là encore, hop, à 90 degrés, rien à dire, ça fait son taf. Nous pouvons légèrement, voilà, incliner, enfin légèrement, plus que légèrement même, nous pouvons incliner également donc le pied de l'intérieur vers l'extérieur pour les positions dynamiques. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Malheureusement, voilà, nous ne pouvons pas lever et baisser le pied juste pour le talon. Et ce sera tout, et c'est déjà pas mal. Je vais essayer de vous trouver une petite pause vite fait pour que vous puissiez voir hein, que voilà, malgré sa petite taille, on a de quoi se faire plaisir avec. Voilà par exemple un exemple donc de ce que vous pouvez faire en termes de position. Voilà, vraiment très très fluide. Et puis bien sûr, le plaisir de pouvoir y rajouter donc les effets de tir, de feu ou d'impact. Voilà, juste du bonheur si vous voulez vous faire un petit diorama ou éventuellement donc participer à un concours photo de mon ami Johan Bayon. Voilà, eh bien, de quoi vraiment vous faire plaisir. Voilà, je suis fan. Sachez que vous pouvez également donc venir voilà positionner le blaster sur les extrémités donc des avant-bras. Et pour le stockage, vous pouvez donc le placer dans le dos. Voilà, absolument parfait. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, voyez, placer donc voilà, relever l'arceau arrière de façon à placer le canon ici au niveau de l'épaule. Et hop, voilà, avec le canon en mode de tir. C'est réalisable, j'ai vu ça et je trouve ça plutôt, bah, plutôt pas mal aussi. Voilà, ça vous laisse vraiment le choix de la présentation et de votre display. Et pour recréer donc le passage également donc voilà du dessin animé G1 dans lequel donc apparaît Beachcomber, une aventure qui lui est propre, vous pouvez mettre également donc son petit piou-piou voilà sur l'épaule, de quoi donc voilà s'imprégner et recréer donc un des passages de la série animée Transformers G1. Cool. Et pour finir, donc petite photo de famille de mes différents Beachcomber Esprit Génération 1. Donc bien évidemment notre bon vieux G1 ici, regardez, qui est toujours aussi chouette. Voilà, franchement presque 40 ans après,
Je trouve qu'il est toujours aussi, vraiment aussi réussi, aussi mignon. Et puis donc le Titans Return, qui est également une superbe pièce. Voilà, très très bien détaillé. Peut-être un petit peu plus d'ailleurs que celui-ci, mais là encore, comme je vous disais, le parti pris d'Hasbro est de nous proposer un style dessin animé et non jouet. Voilà pourquoi celui-ci est peut-être un petit peu plus élaboré. Mais vraiment, voilà, que vous ayez celui-ci ou celui-là, franchement, les deux sont vraiment sensationnels. Bon, celui-ci en mode robot, franchement, je le trouve, voilà, excellent. Autant le mode véhicule, c'est pas trop ça. Il y a quelques petites choses à revoir. Autant en mode robot, c'est vraiment voilà, c'est vraiment du plaisir en barre. Et de quoi donc l'ajouter dans ma vitrine avec les Legacy, Earthrise, etc., etc. Donc, esprit génération 1. Les Millibots commencent à avancer, c'est bien. Vivement les autres. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Legacy Evolution Beachcomber. Un mode véhicule certes avec quelques défauts, mais il y a également quelques qualités, notamment au niveau des roues, le plaisir de retrouver également des pneus gomme. Ça faisait très longtemps et ça fait super plaisir. Ça nous rappelle bien aussi à la fois voilà, les jouets géants de l'époque. Voilà, le mode robot est pour moi absolument magnifique. Ce qui est vraiment le plus dommage, on va dire, c'est qu'on n'a pas de chrome, par exemple, vous voyez, au niveau des phares ou de l'arceau. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le choix d'Hasbro est d'avoir un look du dessin animé et non pas du jouet. Voilà, même si les deux se rapprochent, les couleurs sont foncièrement celles que l'on pouvait voir donc dans la série animée. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit père. D'avance, un énorme merci pour tous vos petits pouces bleus, vous le savez, qui me font toujours infiniment plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, et surtout bon courage pour celles et ceux qui reprennent le chemin voilà, du travail lundi prochain. Plein de courage, profitez bien, amusez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss! Oh, vraiment, il est chouette ce petit père. J'aime bien ce petit beachcomber. Ouais, imagine. La plage, le sable fin, une petite buggy des dunes, le tout avec les Beach Boys. Ah, ça le fait. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.